écoute, je suis content, ça me fait plaisir. Voilà, les supporters, ils ont pensé à moi. C'était un mois chargé, rempli d'émotions pour moi. Donc non, c'est top, je suis vraiment content de recevoir ce trophée. Ouais. Ouais, collectivement, ça a été, y a eu des hauts et des bas. Quand on voit les deux défaites de Troyes et Strasbourg, on se dit qu'on peut faire beaucoup mieux. Mais on a réussi à relever la tête contre Monaco, donc c'est quelque chose de pas mal en championnat. Maintenant, après, il y a eu la défaite en coupe contre Marseille qui nous a mis un peu, qui nous a fait du mal. Mais c'est comme ça, on reste toujours invaincu en coupe, mais bon, on n'arrive pas à passer cette étape des pénaltys, donc ça sera la chose à améliorer pour l'année prochaine. Ouais, c'est vrai que ça fait un bon mois, même un peu plus, que j'ai retrouvé mon poste de prédilection qui est défenseur central. Bon, j'ai voulu sur le côté droit, même si je suis gaucher et on est deux gauchers dans l'axe, mais bon, on arrive quand même à bien s'entendre. C'est vrai que Mamad, c'est un joueur d'expérience, un joueur de classe internationale, donc c'est sûr que de jouer à ses côtés, c'est toujours bien et ça me permet de me sentir en confiance, tu vois. Donc ouais, c'est sûr que Mamad, il me fait progresser, il m'apporte son leadership et il me fait avancer vers le haut, c'est clair. Ouais, merci à tous les supporters, franchement ça me fait chaud au cœur, voilà, de voter pour un petit jeune de la paillade, ça fait toujours plaisir, donc merci à vous et j'espère vous donner des frissons comme contre Monaco encore plus souvent.